Senator Jaffa. Sénatrice Jaffer. Merci. Sénatrice Viola Léger. Au mois de septembre 2001, 4 personnes ont été nommées sénateurs et sénatrices. Laurier Lapierre, Viola Léger, Jean Lapointe et moi-même. Et ce, une semaine après la tragédie du 11 septembre. Comme j'étais la première sénatrice musulmane, cette situation m'inquiétait parce que j'attendais des commentaires négatifs contre les musulmans aux chambres. Viola m'a réconfortée en me disant « Ce n'est pas vrai que tous les musulmans sont comme ça. N'inquiète pas. Sois patiente. Prends ton temps et rencontre ton histoire lentement. Et un jour, je te promets que les choses vont changer au Sénat. » Viola a été très généreuse avec moi. La sénatrice Lagier était avant tout une artiste accomplie. On se souvient surtout d'elle pour son rôle de la Sagouine, personnage créé par Antonine Maillet. La Sagouine, une modeste femme de ménage, fille de pêcheur, raconte son histoire ainsi que l'épopée de l'Acadie et ses habitants. Ce rôle met en vedette la culture et la langue acadienne et fait connaître la réalité de ce groupe de francophones, des maritimes aux Canadiens et Canadiennes du reste du pays. Entre 1971 et 2016, Viola Léger incarne ce personnage plus de 3000 fois en français et en anglais, la faisant briller aux quatre coins du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Viola, I want to send. Viola, je veux t'envoyer une mise à jour par rapport à tes conseils. D'être patient, là j'ai un C sur mon bulletin. De prendre mon temps, ça ne me vient pas naturellement, malheureusement. De raconter mon histoire à titre de musulmane, grâce aux autres sénateurs, nous sommes maintenant 5 sénateurs, nous avons fait de grands progrès à ce chapitre. Viola, tu es une grande amie, une grande collègue, et je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup d'affection. Repose en paix, mon amie.